réunissent encore ce soir dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. J'espère que vous allez bien chez vous et que vous avez du plaisir à vous retrouver encore ce soir à la maison du Seigneur entre griffes. Parce que bon, depuis près de 6 mois maintenant, nos maisons sont des églises. Donc c'est pour ça que je dis que vous avez du plaisir à être dans la maison du Seigneur entre griffes. Alors c'est un plaisir et sans plus tarder, nous allons lire sa parole dans l'Apocalypse au chapitre 20, nous lirons du verset 7 au verset 10. Apocalypse, chapitre 20, du verset 7 au verset 10. Verset 7 au verset 10. Nous parlons sur le corps. Disons la parole du Seigneur. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendu du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temples de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Le plan apocalyptique est déjà donné, vous vous êtes bien rendu compte de cela. Après les 1000 ans, ou quand les 1000 ans seront accomplis, Satan, qui avait été lié par des chaînes de circonstances, est relâché de sa prison. Et là, il sort dans les nations, il vient des quatre coins, et il y a un déclenchement de cette guerre appelée Gog et Magog. Afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre est comme le sable de la mer, ils montent de la surface de la terre et ils investissent. Et voilà cette guerre de Gog et Magog que nous avons étudiée dans le livre d'Ézéchiel, les 2 premiers jours, alors que nous sommes au 3e volume aujourd'hui, et nous avons compris c'était quoi le pays des Gog. Et nous avons vu que c'était la Russie et compagnie constituaient les pays de Gog et Magog et les roches. Vous avez compris c'est quoi Tubal, c'est quoi Todarma, c'est quoi les pays de Put, de Kush et tout ce qui va avec. Nous avons eu la belle occasion d'étudier cela, d'étaler cela pour donner à tout un chacun la meilleure compréhension. Le prophète de notre âge nous a dit que c'était un matin pendant qu'il allait à l'école des dimanches, il avait reçu une vision du Seigneur. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, il le dit dans le message, la foi transmise au saint une fois pour toutes. Il dit alors, la vision que l'Éternel lui avait donnée ce jour-là, ce matin-là, c'était qu'il y aura 3 grandes issues. Il y aura Rome qui sortira un hénisme, qui sera le fascisme. Il y aura l'Allemagne qui sortira un autre isme, qui sera le nazisme. Et il y aura la Russie qui sortira un 3e isme, qui sera le communisme. Et là, dans ce message, il dit que ces 3 ismes sont des esprits impurs qui sont sortis de la bouche du faux prophète, du dragon, et ainsi de suite, et qui vont
s'unir et qui vont et ils vont tous s'affronter l'un l'autre jusqu'à devenir finalement un seul isme. Et il dit, je prédis que ce sera le communisme. Et le communisme brûlera la cité du Vatican. Et j'ai dit, juste avant que la fin vienne. Donc, il y a une prophétie suivant le ainsi dit le Seigneur, où la Russie bombardera le Vatican. Et il y a une prophétie qui s'en suivra où la Russie bombardera Israël également. Et Israël est l'allié privilégié des Américains. Et nous savons donc que tout ce dont nous parlons maintenant se trouve dans l'influence des concerts des nations, parce que la Russie a développé les nouvelles technologies de militaire et elle est prête. Et comme elle est l'ennemi d'Israël, alors les ennemis d'Israël qui sont les Arabes feront une coalition avec la Russie. C'est ainsi, c'est bien ce que nous pouvons savoir qui se trame aujourd'hui dans les nations dont un prophète a reçu de la part du Seigneur. Amen. Il est bien quand on développe la parole, qu'on aille aussi dans certains détails. Amen. Rappelez-vous que quand je vous ai mis le menu du jour, du septième sceau, je vous ai dit que le septième sceau marquait la fin des âges de l'Église, la fin des sceaux, la fin des trompettes et la fin des coups et l'introduction dans le livre. C'était ça la conclusion que nous avons donnée de notre conversation le livre. Revenons un peu sur les sceaux. Parce que les sceaux ont révélé certains aspects de guerre et de bruit de guerre. Quand vous lirez par exemple Apocalypse au chapitre 6, et que vous l'avez lu dans son verset 4, vous allez vous rendre compte qu'il sortit un cheval roux. Et vous savez que quand c'est le roux, c'est le sang. Et donc là, il y a déjà la martyrologie. Ça veut dire qu'il y a des gens, le sang va couler, les gens vont mourir. Et puis, ce cheval roux, celui qui le montait, avait reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée en Apocalypse 6:4, parlant du deuxième sceau. La couleur roux est un attribut indicatif de ce qui se présente. On vous dit qu'il y aura des attributs et parmi les attributs qui sont présentés, on nous présente ce cheval de couleur rouge. On nous dit qu'il est un cheval et il a reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre bien sûr, et les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Donc parmi les attributs, il y a aussi le fait une grande épée lui fut donnée. Et c'était pour faire quoi? Bien sûr que c'est pour faire la guerre. Donc il y a une guerre. Il n'y a pas que la guerre, c'est un combat qui se déclenche. Si tu entends la guerre, une gang et maman, c'est un combat. Et tout ça naît du fait de la violence, de la haine, et il y a un carnage. La violence, la haine, le carnage. Voici les attributs qui
se révèle dans les temps où nous vivons. Nous vivons des temps très difficiles. Et il y a des attributs qui se révèlent. Ce qui se révèle, c'est qu'il y a le sceau. Ce qui se révèle, c'est qu'il y a l'épée. Ce qui se révèle, c'est qu'il y a la guerre. Ce qui se révèle, c'est qu'il y a la haine, il y a la violence, il y a le carnage. Très difficile, très chers amis, de vivre cet âge-ci. Si vous êtes un homme de paix, vous aurez du mal à vivre dans cet âge. Parce que tout le monde est hanté. Tout le monde est habité par un esprit de violence. Les nations se disloquent, c'est des bagarres. Vous allez voir, un matin, vous dormez, vous vous réveillez, on vous dit non, il y a eu des mutins qui sont levés là-bas au Mali et qui ont enlevé le président. Et voici, maintenant, la présidence est dans les mains des mutins, les militaires sont là, ils font rage. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Les épées, les armes, la violence, le carnage, le combat, la guerre. Vous allez là, en Côte d'Ivoire, on va vous dire également, mais il y a là-bas, c'est grave, il y a un carnage, il y a eu 4 morts, il y a eu des morts ici. La violence, pourquoi? Parce qu'un président s'est proclamé dans un autre mandat. Et voici donc, les gens n'ont pas, ils ne sont pas d'accord. Et c'est comme cela, les nations aujourd'hui. Il ne se passe pas une semaine dans les nations où il n'y a pas de violence, où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas de combat, où il n'y a pas de bataille. Ils sont tous tendus. C'est l'âge de la tension nerveuse. Il n'est pas difficile donc d'identifier les caractéristiques ni le Dieu en arrière-plan de ce temps dans lequel nous sommes. Quel est le Dieu qui nous amène dans ce combat continuel? On appelle ce Dieu-là le Dieu Mars. Quand Dieu a voulu, dans notre âge, nous révéler les sceaux, Dieu nous les a révélés au mois de mars. C'est là où les sceaux ont été révélés. Révélés les sceaux. Au mois de mars. Et le Dieu Mars est encore appelé Arès en grec. Dieu Mars est encore appelé Arès en grec. C'est le Dieu de la guerre. Plusieurs voient dans ce deuxième sceau seulement comme celui de la guerre. Certains disent qu'il dénote la troisième guerre mondiale. C'est pour ça que certains pensent que Gog et Magog, il s'agit ici de la troisième guerre. Je crois toutefois que cela manque de perspicacité et qu'il est bien cher, fils de Dieu, que nous regardons dans la direction du Aime. Que dit le message? À l'instar du cheval et du cavalier du premier sceau, nous sommes en présence d'un être spirituel envoyé avec autorité pour provoquer, pour inciter une certaine façon de penser, d'agir et cet être n'est rien d'autre que l'Antichrist. Donc, n'oubliez pas que toutes ces incitations de guerre, de combat,
de lutte, de bagarre, l'Antichrist est monsieur. Amen. Et quand vous voyez l'Antichrist, n'oubliez pas que Christ est quelque part. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'Antichrist sans Christ. Donc l'agitation du diable dans le monde, dans le concert des nations, c'est qui que le diable n'aime pas voir? En Armageddon, il est venu et il a commencé par attaquer. C'était le dragon, c'était le diable, c'était le serpent ancien, c'était l'ennemi. Il avait quatre identités et nous l'avons, pour révéler toute sa nature, et nous l'avons étudié dans l'Armageddon, il l'a vu. Puis il a été lié par des chaînes de circonstances, et maintenant il est relâché à nouveau. Ce sont les mêmes esprits, c'est le même antichrist, ce sont les mêmes démons, ce sont les mêmes puissances magnifiques. Et pourtant, ce que dit le prophète, il dit, le concile a eu lieu. Ils ont élu un évêque en chef. Alors, nous sommes dans le deuxième saut, au paragraphe 284. Alors, ce faisant, ils ont uni l'Église et l'État. Alors, il a laissé tomber son arc. Il est descendu de son cheval blanc. Et il est monté sur un cheval roux. C'est le même antichrist qui est descendu du cheval blanc et qui est monté sur le cheval roux. Puisqu'il peut tuer quiconque n'est pas d'accord avec lui. Voilà votre saut. Oh là là, le même personnage. Amen. Observez-le, continuez tout droit. Là, l'éternité. Avec ça, vous voyez, il unit ses deux pouvoirs. La même chose qu'ils essaient de faire en ce moment, la même chose aujourd'hui. C'est une chose grande. Peut-être que vous ne comprenez pas cela. C'est le même antichrist qui était monté sur le cheval blanc, apparemment, qui était un séducteur, un rusé, et c'est encore lui qui est sur le cheval. C'est le même personnage. C'est l'antichrist. Le prophète de Dieu dit, je cite le martyrologue. Depuis l'époque de Saint Augustin d'Hippone, le prophète dit au paragraphe 289 du deuxième psaume, depuis la période de Saint Augustin d'Hippone jusqu'en 1586, selon le martyrologue romain, l'Église catholique romaine a mis à mort 68 millions de protestants. Et son épée est rouge. Les catholiques ont tué 68 millions de protestants. C'est quoi la conclusion? C'est que l'épée est rouge. Rouge pourquoi? Parce qu'il y a du sang dessus. Le sang de ceux-là qui ont protesté contre le mensonge. Parce que quand on appelle protestant, ça veut dire que c'est celui qui a protesté. Il n'a pas protesté contre l'Église catholique parce que c'est un système. Ils ont protesté contre le mensonge qui était dans l'Église catholique. Et bon, il fallait jamais s'y opposer. Et ce qui manque s'y opposer, ben le sang coule. Et c'est pour cela que vous voyez que cette épée est roue. Ça veut dire que le cheval, le cavalier du cheval est roue. Il y a une épée ensanglantée. Qu'était-ce? La même puissance, le même cavalier. Voilà le saut. Ils reconnaissent 68 millions dans le martyrologe, sans compter tous ceux qui ont été mis à mort en dehors de ça. Oh, miséricorde! Pendant l'âge des ténèbres, des millions ont été jetés en pâture aux lions et massacrés de toutes sortes de manières, parce qu'ils refusaient
de se soumettre à ce dogme catholique. Ici, il s'agit de vous soumettre à la volonté du diable. Ou vous obéissez, ou au Dieu. Et c'est pour cela que le sang coule. C'est toujours là une guerre des volontés. Et vous voyez, le prophète dit qu'il y a sept coups. Vous savez, ces sept que nous sommes en train de parcourir, ils arrivent tous juste au même endroit. Après les fléaux, après les âges de l'Église quand même, quand tout est scellé dans ce même livre, tout arrive autour, à tour de rôle. Une chose s'emboîte carrément dans l'autre. Puis, une autre dans l'autre, il y a deux esprits à l'œuvre, Dieu et le diable. Qui tenait les sept dernières coupes vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes. Le prophète continue à nous décortiquer le cavalier du cheval roux pour nous dire que vous pouvez voir des indices. Son arc n'avait pas de flèche. Oui, mais sa grande épée, oui. Et plus tard qu'il a fait ses massacres, il est passé d'un cheval blanc pour un cheval roux. Il dit le même qui? Le diable, avec une épée. Et ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Ne rendez pas l'épée. Jésus, cette nuit-là, quand il a parlé, il a dit, quand Pierre a pris son épée, il dit, faites simplement comme lui, allez simplement de l'avant. Bon, souvenez-vous, il a une épée. Et il s'en va, tenant une épée à la main chez vos champs, un cheval. Il patauge dans le sang de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Comment faire pour vivre en paix? Êtes-vous posé cette question un jour? Vous ne pourrez plus. Amen. Vivre en paix dans cet âge est devenu l'une des choses les plus compliquées à faire. Amen. Tu veux vivre la paix, alors tu dois être individu. Tu veux te conformer à la vérité de Dieu, alors à ce moment-là, sache que tu vas avoir des ennemis. Et chaque fois que quelqu'un veut se conformer, il aura des ennemis. Pas qu'il aurait souhaité d'avoir des ennemis, mais simplement les ennemis seront là. Amen. Il y aura cette grande agitation. Satan viendra. Et le prophète de Dieu dit dans un jour, vingt jours victoire, il dit, il y aura des guerres, il y aura des troubles, il y aura des guerres. Matthieu 24 l'avait annoncé, vous entendrez parler des guerres et de bruits de guerre. Des guerres et des guerres. Parce que le prince de la terre, Satan, le chef des nations, il y a un esprit national ici, il y a un esprit national là-bas, et ce sont des démons. Chaque nation a un esprit. Amen. Vous dites, ben écoutez, nous sommes des Russes. Il y a un esprit chez les Russes. Cet esprit, ce sont des démons. Vous dites, nous sommes des Gabonais, il y a un esprit au Gabon, et cet esprit, ce sont des démons. Vous dites, nous sommes des Pakistanais, il y a un esprit, et c'est des démons. Et toutes les nations, sans exception, sont habitées par le même type d'esprit. Le prophète de Dieu dit, il y a un esprit national ici, il y a un esprit national là-bas, et ce sont des démons. Ils ne peuvent pas s'entendre. C'est le temps de quelque chose. C'est la raison pour laquelle, même dans un mariage, on vous demande d'aller épouser une femme qui a le même type d'esprit que vous. Et quel esprit? Le Saint-Esprit. Si elle n'a pas le Saint-Esprit, eh bien, il y aura guerre.
parce que les démons se battent contre eux. Le cheval roux représente le feu de la rage, le déversement du sang. Selon ce que Jésus a dit à ce sujet, nous pouvons comprendre que les cœurs des hommes sont consacrés à la haine et à la violence. Et que les troubles auront lieu non seulement entre les nations, mais au sein d'une même nation. Puisqu'il y a des démons là, il y aura des troubles au sein d'une même nation. Une nation, Matthieu 24, 7, déclare, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Et en regardant les dieux grecs et romains, les dieux de la guerre, nous nous apercevons qu'il ne s'agit pas seulement d'une attaque militaire de grande envergure sur le champ de bataille. Pas seulement des guerres ou des attaques militaires de grande envergure. Donc, le monde dans lequel nous vivons est compliqué. Il y a des guerres civiles. Entre les gens, entre les nations, ça se bat. Il y a une épée de couleur rouge. Et ça ne va pas du tout. C'est la guerre partout. Alors, cela va nous emmener à étudier la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, le dieu du conflit et de la guerre s'appelait Arès. Là, nous sommes dans la mythologie grecque. Vous savez, quand on est en train de parler de la mythologie, certaines personnes trouvent que nous exagérons. Disent, mais vous aussi. Bon, le prophète a parlé de la mythologie grecque. Bon, pourquoi vous allez dire des choses que le prophète n'a pas dit? Quand nous lisons Frère Branham qui nous parle de Zeus dans les âges de l'Église, Zeus. Frère Branham a connu Zeus où? Pour connaître Zeus, il faut rentrer dans la mythologie grecque. Si vous n'entrez pas, vous n'allez pas étudier dans la mythologie grecque, vous ne connaîtrez pas Zeus. Alors dites-moi, ce prophète, comment a-t-il découvert Zeus? Parce que Zeus n'est parlé que dans la mythologie grecque. Donc, écoutez, nous avons reçu la grâce d'avoir un prophète, pas un prophète religieux. Mais un prophète des nations. Le prophète pouvait quitter les États-Unis, venir jusqu'en Angleterre, juste parce qu'il s'en va consulter la bibliothèque. Amen. Il s'en va faire des recherches. Et c'était un prophète étudiant. Et Dieu a même retenu ça, que c'était un prophète étudiant. Quand, en 1960, avant que le prophète ne commence à révéler les étages de l'Église, il est allé dans ce creux sportif, là où il avait fait des exploits avec des tirs à fusil, parce qu'il avait tué énormément d'écureuils en un coup. Alors, c'était devenu pour lui un challenge. D'avoir reçu un pareil challenge, c'était devenu un challenger. Alors il était fier d'être un grand tireur d'élite avec exactitude. Et puis, il a appelé le creux, il a fait ses exploits, le creux du sportif. Frère a pensé que c'était fini. C'est lui qui savait que c'est l'endroit où moi j'appelle le creux du sportif. Un jour, Dieu lui dit, va à l'endroit là où toi tu avais appelé creux du sportif, et c'est là-bas que je vais te rencontrer et je vais te révéler quelque chose. Oh, même nos petites choses que je fabrique ici moi-même, Dieu retient ça. C'est moi qui ai appelé ce quartier Santassé. Dieu dit, va à l'endroit où tu as appelé Santassé, je te rencontrerai là. Dieu tient compte de notre vécu et même de notre
Et quand il est arrivé là-bas, qu'est-ce que Dieu va lui dire? Il dit, j'aimerais que tu écrives un livre comme Jean, dans l'île de Patmos, a parlé sur les sept âges de l'Église et a écrit pour moi le livre de l'Apocalypse. J'aimerais que toi aussi tu écris un livre qui sera appelé l'exposé des sept âges de l'Église. J'aimerais que tu écrives ça. Oh, en 1960, Frère Martin dit, mais moi, je ne suis pas un intellectuel. Je peux prêcher, mais écrire un livre, c'est trop me demander. Je ne serai pas capable de pouvoir écrire un livre. Dieu lui dit, je veux un témoignage d'un livre. Amen. Pas seulement tes prédications, mais le livre, tu dois écrire. Amen. Il dit, mais comment je veux faire? Il dit, tu vas rentrer dans les recherches. Il est allé lire les deux Babylones d'Islam. Il est allé lire le livre des pères prénicéens, des pères nicéens. Il est allé lire le livre des martyrs. Et Frère Branham a lu tous ces livres. Les deux Babylones d'Islam, les livres des martyrs, les livres des prénicéens. Et pour étudier quoi? Étudier tout ce qui était dans la mythologie grecque. Et c'est de là, quand il commence à rédiger l'exposé des sept âges de l'Église, qu'il nous parle des os. Une divinité grecque. Et il nous cite que c'était une divinité grecque. Voilà l'esprit de recherche. Si vous voulez être un enseignant parfait de la parole, vous ne devez pas vous limiter simplement à lire votre Bible ou à lire le message. Vous devez creuser. Correct, docteur. C'est pour cela qu'il nous évite que ceux qui ne vont pas creuser passeront par la tribulation. Amen. Il faut creuser, il faut creuser. Vous devez avoir des encyclopédies, vous devez avoir des dictionnaires, vous devez avoir le grec, vous pouvez même étudier l'hébreu, vous pouvez même aller étudier la mythologie grecque, pas parce que vous voulez épater les gens, parce que ce n'est pas fait dans l'esprit d'épater les gens, mais c'est fait dans l'esprit de retirer la substance de la parole. Vous me direz, non, pasteur, arrêtez ça parce que la géographie, l'histoire et tout ce que vous voulez là, nous n'en avons pas besoin. Mais ce garçon qui est allé voir à la mer, c'est à la mer qu'il y avait un endroit sans fin, dans l'océan, il y a un fond d'océan qui est sans fin, et qui a crié Hosanna. Ses parents disent, mais écoutez, on t'a retiré la Bible des mains. Ça, c'est le livre de géographie. Il dit, je viens de voir Dieu dans le livre de la géographie. Il dit, tu as vu Dieu où? Il dit, il y a une mer là-bas qui est sans fin. C'est là-bas où part nos péchés. Quand Dieu dit que nos péchés partent dans la mer de l'oubli. Nos péchés partent dans la mer de l'oubli. J'ai retrouvé ça dans le livre de la géographie. Gloire à Jésus. Chrétiens, soyez libres. Parce que la prophétie de Charles Price a dit au chercheur qui en sera digne, il lui sera donné des choses fraîchement révélées. Au chercheur qui en sera digne. Tout le monde n'est pas chercheur, comme tout le monde n'est pas docteur. Amen. Tout le monde ne peut pas être docteur de la parole. Un évangéliste n'a pas besoin de se casser la tête. Il prend un petit verset. Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui, éternellement, Hébreux 13, oui, il vous lit ça et c'est fini. Amen. Et le reste, il commence à bombarder. Si vous n'avez pas accepté Jésus dans votre vie, vous allez mourir. Répondez-vous, acceptez Jésus, parce que Jésus est ici. Un évangéliste, c'est ça. Mais un docteur ne fait pas comme ça. Amen. Un docteur étudie la parole. Amen. Un docteur rentre dans la profondeur. Un docteur va dans la mythologie grecque. Un docteur va beaucoup plus loin. Il ne vous parle pas d'une guerre comme ça, il ouvre les seaux. Si vous vous parlez d'une guerre, ça veut dire qu'il va ouvrir les seaux. Alors dans la mythologie grecque, le dieu du conflit et de la guerre était Arès. Dans cette mythologie, le dieu du conflit et de la guerre, s'appelait quoi? S'appelait Arès. Ah, voilà le Dieu.
était brutal et c'était un tyran. Brutal et tyran. Et dans la plupart des histoires, il est dépeint comme étant moins intelligent, boitant, humilié et dans la défaite. Il était paisiblement le dieu grec le moins honoré, car il était perçu comme un être méprisable, haineux et insignifiant. Vous savez, mes frères, les gens qui développent la haine sont souvent des gens très insignifiants. Amen. Si vous voulez voir la grandeur d'une personne, regardez l'état de son cœur. Les grandes personnes ne savent pas haïr. Amen. Tel que je suis là, mes amis, vous pouvez tout dire sur moi. Maintenant, vous attendez à ce que je vous haïsse. Dans mon cœur ici, je ne sais pas comment haïr. Dans le cœur de mon fils que tu es, il n'y a pas la haine. Dans le cœur d'un vrai fils de Dieu, il n'y a pas la haine. Dans le cœur d'une vraie fille de Dieu, il n'y a pas la haine. Parce que la haine te diminue. Les bagarres, les conflits te diminuent. Plus tu es au-dessus de ça, plus tu développes de la grandeur. Oh, alors, Arès était conflictuel. C'était un guerrier. C'était un tyran. Il était brutal. Et c'est ainsi qu'il était le dieu le moins honoré. Et on le considérait comme un dieu insignifiant. On le croyait inconstant dans les batailles qu'il menait. On a cru également qu'il se battait d'un côté et de l'autre pour le plaisir de se battre, parfois même sans cause. Vous voyez quelqu'un qui est là, il se fâche contre vous. Vous dites, mais tu t'es fâché pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Non, je n'aime pas ça. Non, on va gaspiller. Oh, on gaspille? Sans problème. Il dit, on va gaspiller. Quand tu dis, sans problème, ça veut dire quoi? Le problème de... Le problème de... Encore... Un Arès qui se bat, même là où on ne doit pas se battre. Qui crée un problème, même là où on ne doit pas créer de problème. Battre sans cause. Le père d'Arès, Zeus, méprisait son fils. C'est là où Zeus, dans le prophète William Branham, va parler. C'était le père d'Arès. Il s'appelait Zeus. Zeus, ici, c'est le père et Arès, c'est le fils. Lui, il méprisait son fils. De tous les dieux vivants sur l'Olympe, tu es le plus odieux, disait-il à son fils, parce que tu prends plaisir au conflit, à la guerre et à la bataille, mais vraiment, tu as une disposition obstinée et une disposition inflexible. Et par conséquent, je considère que tu es le plus odieux de tout ce que je connaisse. Arès. Même sans cause, il faut se battre. Même sans raison, il faut se battre. Frère, vous savez, le shalom qui est venu, c'est pour nous amener à la paix. Amen. Le shalom qui est descendu dans ces temps de la fin, c'est pour mettre en nous un cœur de pardon. Le shalom qui est descendu sur nous, c'est pour nous éviter les conflits. Gog et Magog ne te concerne pas. Amen. C'est pour les communistes. Ce n'est pas pour les chrétiens. C'est pour les communistes, les antivaleurs, ceux qui ont repoussé Christ dans leur vie. Amen. C'est eux qui sont attachés à cette disposition de guerre. Mais pas toi. Lisons
en train de dire. Il dit, dans l'exposé de cet âge de l'Église, il dit, il y avait dans cette ville deux temples célèbres. L'un était le temple érigé pour le culte de Zeus, et l'autre était dédié à Cybèle. Zeus, ici, il était considéré comme une divinité chimérique. Et il y avait tout un temple qui avait été érigé pour Zeus. Et l'autre était érigé pour Cybèle. Un peu comme on dit Maman Marie. Ces deux temples étaient reliés pour la plus belle route de l'Antiquité, la voie dorée. Ceci représente la suite du développement du paganisme qui avait déjà commencé dans le premier âge, dont l'existence n'était connue qu'à Rome. L'union des deux temples d'un dieu et d'une déesse est la sémence de la mariolâtrie, qui consiste à appeler Marie la mère de Dieu et lui conférer un honneur des titres et des pouvoirs qui lui rendent agréable à Jésus-Christ. La voie dorée qui relie l'illustre, la cupidité, a poussé les organisateurs nicolaïques à unir l'Église et l'État parce qu'ils savaient combien ils pourraient en retirer les richesses et de la puissance. Et le prophète de Dieu dit, la mort l'avait pénétré jusqu'à dans les racines, jusqu'aux branches, et ceux qui participaient à l'Église participaient à l'amertume et à la mort. Fin de citation. Le prophète nous présentant Zeus comme une divinité adorée a dit que cette divinité adorée dans la mythologie grecque a donné naissance à Arès, qui Arès est aussi une divinité adorée dans les concerts des nations aujourd'hui. Vous allez voir que n'importe quoi, il faut aller brûler. Bon, qu'est-ce qu'il a déclaré? Il a déclaré que il sera président. Hein? Il a dit qu'il sera président. Allez, laissez-nous, 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 laissez-nous. Pourquoi il a dit ça? Allez, laissez-nous. Bon. C'est une divinité adorée de cet âge. C'est comme Zeus. On a bâti tout un temple pour lui, on l'a adoré, son fils, comme Père, Fils et Saint-Esprit. Son fils aussi est une divinité adorée. Quand toi, tu n'aimes pas les problèmes, on t'appelle dans cet âge un idiot. Et au Gabon, on dit tu es un maboule. On t'a insulté et tu ne réponds pas. On t'a piétiné et tu ne réponds pas. On t'a raboué, tu ne réponds pas. Dis-moi, je ne suis pas un fils d'Arès. Amen. Ça, ce sont les divinités rejetées. C'est des divinités rejetées. Zeus est une divinité rejetée. Cybèle est une divinité rejetée. Arès est une divinité rejetée. Moi, je suis issu d'une divinité céleste. Amen. Dans le nom et le Seigneur Jésus-Christ. Amen. À chaque fois, vous pouvez dire Amen. Amen. Tu n'es pas sorti de Zeus, encore moins d'Arès et de Cybèle. Toi, tu sors de Jésus. Gog et Magog ne te concernent pas parce que tu n'es pas un communiste. Tu es un chrétien. Jacques, quand tu peux dire Amen. Amen. Alors, Apollon, le prophète Branham dit, était le dieu soleil, le second en puissance après Zeus, son père. Apollon était aussi un frère d'Arès. Apollon. C'était aussi quoi? Un fils de Zeus. Alors le prophète nous dit dans l'exposé de cet âge de l'Église que Apollon, lui, il était le dieu soleil. Apollon, c'était le dieu soleil.
C'était tous des divinités. Apollon est une divinité, Arès est une divinité, Zeus est une divinité. Et Apollon était le dieu soleil, le second en puissance après Zeus, son père. On l'appelait celui qui détourne le mal. Il gouvernait le droit religieux et l'expiation, le moyen de réparer ses fautes et sa culpabilité. Donc, toutes ces divinités dans la mythologie grecque ont existé. Le prophète continue à nous dire, comme les caractéristiques de ce dernier âge correspondent bien à l'âge où nous vivons, par exemple, ils adoraient Dieu Zeus, qui était le chef et le père des dieux. Et le prophète dit, Zeus ici était le père des dieux. Donc il y en avait plusieurs, parmi lesquels Apollos, Apollon, Arès, etc. Il y avait plusieurs dieux. Et chacun avait son descriptif. Leur père à eux tous s'appelait Zeus. Et le prophète le ramène dans ce dernier âge. Il dit, comme dans ce dernier âge. Dans ce dernier âge. Donc nous sommes dans un âge où ces divinités grecques, cette mythologie, ces divinités vont se faire, vont réapparaître et vont se faire voir d'après un prophète. Bon, vous dites, je ne veux pas voir ça parce que non, ne nous parlez pas de Zeus, ne nous parlez pas d'Apollon, ne nous parlez pas d'Arès, ne nous parlez pas de ces divinités grecques, ne nous parlez pas de ces choses-là, nous n'en voulons pas. Tu vis dans quel âge? Amen. Est-ce que c'est moi le prophète de cet âge? Le prophète de cet âge dit à la page 320 de l'exposé des âges de l'Église, comme les caractéristiques de ce dernier âge correspondent bien à l'âge où nous vivons. Par exemple, ils adoraient un seul Dieu, Zeus. C'est des indices. Ils ramènent Zeus dans l'esprit de ces derniers âges. Maintenant, si tu vois aussi les guerres et les bruits de guerre dans ces derniers âges, sache que c'est les enfants de Zeus. Parce que Zeus était le père de plusieurs dieux. Alléluia. L'étude de la parole, il faut l'approfondir. Alors, ils provoquèrent la guerre. Chaque nation est dirigée par Satan. Il est le dieu des nations. Il lui a montré tous les royaumes du monde, tous les royaumes en un instant. Et il a dit, tout ceci m'appartient, j'en fais ce que je veux. Et il a dit, je te les donnerai si tu m'adores. Qui a dit ça? Satan. Qu'a-t-il dit, tous les royaumes de ce monde? Il a dit comment? Ça m'appartient. Et il a dit à Jésus, ben, je t'en donnerai si tu m'adores. Adore-moi, je te donne les royaumes. Tu veux l'Angleterre, moi je te donne l'Angleterre. Tu veux les États-Unis, je te donne les États-Unis. Adore-moi simplement, je te donnerai les royaumes de ce monde. Tel que tu les vois là, tout ça, ça m'appartient. Frère, qu'est-ce que nous pouvons faire devant les nations? Tu vas dire, non, je vais chercher un pays, je connais un, dans ce monde où je peux vivre en paix. Il n'y aura pas de bruit. Frère, je ne sais pas. Il faut que Dieu t'aide. Si tu trouves ça, appelle-moi pour que je vienne aussi. Mais je te dis déjà que tu n'en trouveras pas. Il n'y a pas de pays dans ce monde dans lequel nous vivons qui soit en paix, où Satan n'y est pas. Satan est rentré pas. Satan est rentré partout. Tu dis, mais nous, dans notre village, il n'y a que le message. Il n'y a même pas d'église catholique dans ce village. Il n'y a même pas d'église protestante, même l'islam n'est pas. Il n'y a que le message. Et 75% de ceux qui sont au village viennent à l'église. Donc c'est vraiment un village calme, paisible. Oh, tu t'es trompé. Même parmi les 75%, là, le diable est à l'intérieur. Amen. Si le diable est venu dans les 12 apôtres, mon frère, 12 seulement, 12 apôtres, mais il a trouvé sa place à
Satan ne pourra pas rentrer. Satan rentrera partout. Vous ne pouvez pas échapper à cela. Il va s'infiltrer. Toutes ces nations-là, le diable y est. Amen. Dites encore Amen. Amen. Et il a dit dans Jour 20 jours victoire que tous les royaumes de ce monde m'appartiennent. Je te le donnerai si tu m'adores. Il a dit à Jésus. Et Arès est accompagné de sa sœur Iris. Iris, c'est la déesse de la discorde. Non. Arès, et vous avez ensuite Iris. Arès, c'est le dieu conflictuel de la guerre. Mais Iris, sa sœur, c'est la déesse. C'est la déesse. La déesse de la discorde. Les nations se disent qu'Israël se rebelle. Et alors Arès a sa sœur Iris et de ses fils Démos. Toi-même, ça ressemble un peu à Démon. Démos et Phobos. Si sa sœur c'est Iris, alors, on dit ses fils. Ses fils, c'est qui? Démos. Démos, c'est qui? Ici, c'est la divinité de la discorde. Démos, c'est la divinité de la peur. Et Phobos, parce qu'il n'y a pas que Démos, il y a aussi Phobos. Phobos, c'est cette divinité de la terreur. Alors mes amis, voici comment les nations souffrent. Vous avez des conflits de guerre. Vous avez la discorde, vous avez la peur, vous avez la terreur. Donc avec tout ça, on met ça concentré. Ici, dans le temps dans lequel tu vis, tu dois vivre tout ça. Comment tu n'auras pas les maux de tête? Vraiment. Comment tu n'auras pas le mal d'estomac? Comment tu n'auras pas la vessie? Comment tu n'as pas le temps? Amen. Il y a déjà toutes ces pressions. Mais en plus de ces pressions, tu te dis, je trouve encore l'argent pour bien vivre. Oh. En plus de toutes ces pressions, on te dit, marie-toi. En plus de toutes ces pressions, on te dit, il faut que tu trouves un mari. C'est une femme, il faut trouver un mari. Mais maintenant, il faut encore discipliner ce mari-là. Toi-même, tu es déjà attaqué par la peur, par la terreur, par la discorde. Tu fais tout pour bien t'entendre avec les gens, mais les gens font tout pour te contredire. Et il y a la guerre, il y a les conflits. L'âge dans lequel toi et moi, nous vivons. Arès, viens-toi seul. Non, il dit, je viens avec ma soeur Iris. Iris, tu fais quoi? Il dit, non, moi aussi j'amène, les enfants-là doivent être là. Qui ça? La terreur et la peur. Encore, bon, avec tout ça, on va vivre comment? Hein? Toutes ces choses-là, ces émotions démoniaques, cette puissance démoniaque, ces esprits-là qui sont dans le monde dans lequel nous vivons. Le prophète de Dieu dit dans les esprits séducteurs, il dit, il y a des émotions et tout. On se trouve avec des commérages. Il dit, on se trouve avec des médisances. Et toutes sortes de choses impies. Il dit, il y a le commérage, il y a les médisances. Il dit, c'est de l'acide sulfurique dans l'église. Un tel a dit. Papa, vous avez entendu? Un tel a dit. Un tel a fait. Un tel a dit. C'est de l'acide sulfurique.
Il dit, malheur à moi, mes lèvres sont teintures. L'ange est venu et a pris des pincettes. Est allé chercher des pierres de feu sur l'autel et a touché ses lèvres et a sanctifié ses lèvres. Et le prophète de Dieu dit, oh Dieu, sanctifie tous les bavards ce matin qui ont de mauvais propos et qui sèment la discorde. Il dit, mets des charbons de feu sur les pierres de feu sur les bouches de tous ces gens-là qui sèment la discorde. Amen. Un jour mauvais, le jour de la discorde, le jour où nous vivons. Il dit, cela s'est introduit furtivement sous le nom de la religion. Il dit, jamais de ma vie je n'ai cherché à semer la discorde parmi les frères. J'ai essayé de mon mieux de rester tout aussi gentil que possible. Le prophète. Il dit, non, je n'aime pas ce démon-là, la discorde. Il dit, il faut que le Saint-Esprit vienne, que le Saint-Esprit rentre. Mes amis, c'est un temps. Amen. Dans la bataille, je vous ai dit, Arès ne va pas seul dans ses guerres et conflits. Sa sœur Eris l'accompagne et ses fils Demos l'accompagnent. Donc là où vous voyez, il y a des conflits. Il faut savoir qu'il y a la discorde, il faut savoir qu'il y a la peur, il y a la terreur et tout ça est à l'intérieur. Parce que les armes vont siffler. Le plus grand fléau qui existe de nos jours. Le prophète dit dans le péché impardonnable, il dit c'est la peur. C'est la raison pour laquelle les gens ont peur. Parce qu'ils n'ont pas été enseignés correctement. Ils ont peur. C'est le plus grand fléau aujourd'hui. Manque d'enseignement, ils ont peur. Et le monde dans lequel nous vivons est dans la peur. Dans le message intitulé Élie, le prophète de Dieu dit, le monde est dans la peur, se demandant que la bombe atomique frapperait. Et on nous dit peut-être dans une heure, et toute la nation pourrait voler en éclats. Des choses terribles entre les mains de l'ennemi. Où est-ce que nous sommes, les amis? Le Dieu romain de la guerre, Mars, était le plus respecté des dieux romains. On croyait qu'il était le père de Rémus et de Remulus. Mars. C'était le dieu de la guerre. Et donc vous voyez, ce sont ces divinités-là dans la mythologie grecque, le dieu Mars, Arès, qui ont amené des conflits. Et ce sont ces mêmes types d'esprits que nous voyons aujourd'hui. Et qui est en train d'habiter chez les Russes, qui habite chez les Américains, et qui est en train d'habiter chez au Liban, qui est en train d'habiter ces esprits de Pout, de Kouch, et de Togarma, et de Roche, et de Meshek, et de Tupac. Tous ces esprits-là, ce sont ces esprits-ci, qui avaient été relevés depuis les temps antiques, et qui sont revenus aujourd'hui et qui travaillent avec puissance et force. Les dieux de la guerre. Comment allons-nous faire? Les Romains. Vous avez entendu que Mussolini est sorti de là, de l'Italie, de Rome. Le prophète dit qu'il est venu de Rome. Mais Rome, là, c'était quoi? Et mes frères, Rome. C'est eux qui avaient cette divinité. Et ils respectaient cette divinité. Et cette divinité était perçue comme le dieu de la justice. Une justice guerrière. Et c'était une divinité qu'ils avaient pris comme un ancêtre. Il était revêtu de la robe, et la robe d'un soldat romain, et n'avait pas d'épée. Cette divinité-là. C'est exactement ce qu'on va retrouver dans le deuxième saut. Il n'y a rien de nouveau sous la face de la terre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. C'était le portrait d'un homme grand guerrier. Le prophète de Dieu dit dans le puissant guerrier,
dans le puissant conquérant, il dit Mars était le portrait d'un Dieu puissant qui est. Et vous pouvez donc voir, Mars ne gouvernait pas seulement la guerre, mais aussi l'agriculture, gouvernait beaucoup d'autres choses, et s'appuyait sur son bâton, et il frappait. Plein de divinités aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. Et incapable d'amener ce monde dans la paix. C'est pour cela, cher Fils de Dieu, entrez en Christ. Amen. Le prophète de Dieu nous a dit, c'est en Christ où il y a tout. Amen. Vous vous rappelez de la citation? Amen. C'est en Christ où il y a tout. C'est en Christ où il y a tout, il y a le bénédiction. Si vous sortez là, vous êtes exposé à toutes sortes d'esprits méchants. Amen. Et il vous sera difficile de vous en sortir. Restez là en Christ. Et là, quand vous êtes en Christ, vous pouvez être sûr que vous êtes en sécurité. Parce que ces esprits sortent des quatre coins de la terre. Et Branham dit, je vis quatre anges. C'était les cavaliers qui étaient allés au chapitre 6. Pâle, noir, roux, blanc. Il dit, ils sont tous sortis de là. Et je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre, quatre places de la terre. Un ange retenant les quatre vents. Les anges sont des messagers. C'est la Bible qui le dit. Et les vents sont des guerres et des luttes. Et les quatre anges étaient sur les quatre coins de la terre. Faisant quoi? Retenant les quatre vents. Les quatre vents, là, c'est quoi? Sont des guerres et des luttes. C'est le monde dans lequel nous vivons actuellement. Amen. Mes frères, comment faire? Mars, cette divinité guerrière, était accompagnée par ses deux compagnons. Ses deux compagnons s'appelaient Onos et Virtus. Onos, c'est honneur. Virtus, c'est vertu. Et Arès, dans son agressivité, était utilisé de manière honorable et vertueuse. Donc, quand on dit que Mars était accompagné par ses deux compagnons, Onos et Virtus, ça veut dire que cet habillage que l'on mettra sur Arès, qui sort de Mars, l'honneur et la vertu. Pourquoi faut-il regarder le roi du Nord? Parce que le roi du Nord inspire l'honneur et inspire la vertu. Aujourd'hui, je vous ai dit au culte passé que c'est le plus fort à qui l'on donne l'honneur. Amen. Le plus fort vous ramasse. Prend tout en passant. Vous voyez, le guerrier revêtu de son armure. Et là, il est revêtu comme étant le protecteur de Rome. Il est revêtu de son armure. Vous pouvez regarder la puissance de son épée. Il est revêtu de son armure. Donc, mes amis, c'est la fin de tout. C'est cela, les quatre cavaliers de l'Apocalypse révèlent tout ce qui se fait voir dans les temps dans lesquels nous vivons, d'après le prophète dans le message, l'expectative. Dieu nous a suffisamment avertis. Maintenant, Rome va rompre son alliance avec Israël. Et à cause de ça, l'abomination commencera à se répandre partout. Parce qu'ils feront d'abord alliance. Quand Rome fait alliance avec Israël, entre dans une alliance avec Israël. Alors, ils ont un ennemi commun qui est devenu qui? Qui est devenu la Russie. La Russie qui bombarde le Vatican, bombarde Israël. Et Israël se couvert les yeux et sang.
l'or. Que ses deux mains possèdent. L'or du monde est possédé par Rome et Israël. Amen. Tout l'argent du monde est là concentré. Alors, le prophète de Dieu dit, dans les six buts de la visite de Gabriel à Daniel, que cette alliance finira par se rompre. Amen. Les nations se disloquent. Mm-hmm. Les temps des gentils sont comptés, encombrés d'horreur. Bientôt l'éternité. Amen. Il y a vraiment, vraiment, mais alors vraiment plus de temps. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. Les nations se disloquent. Israël se relève. Les jours de justice. Vous connaissez pas le chant? Salut encore dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Amen. Shalom.